Bien, bonjour à tous. D'abord, un grand merci aux organisateurs pour nous réunir. Ils ont été très optimistes en voulant attaquer le problème de l'entropie, surtout en 20 minutes, mais ça, c'était pour me tester. Voilà. Alors, je voudrais ici réhabiliter ce concept. Je pense que pour la plupart d'entre vous, l'entropie, vous l'associez à des choses qui sont le désordre, le chaos, la chose qu'il ne faut absolument pas avoir chez soi, parce qu'on aime l'ordre. Et c'est vrai que quand on regarde un système vivant, on a l'impression qu'il remonte, l'entropie, c'est-à-dire qu'il part d'éléments désordonnés et puis il va les associer pour faire des structures. Eh bien, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que, en fait, l'entropie est à la base de la vie. C'est-à-dire que c'est la manipulation de l'entropie et non pas de l'énergie qui nous permet de vivre. Alors, il est impossible de définir l'entropie. Tout le monde a essayé depuis 150 ans et à chaque fois, on a des contradictions. Par contre, on peut en parler. Et on peut en parler simplement. Je vous ai mis ici tout ce qu'il faut savoir sur cette notion qui vient de la thermodynamique. C'est que, comme vous le voyez, l'entropie, c'est quelque chose qui peut s'échanger. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne voyez pas, mais vous pouvez l'acquérir, vous pouvez le donner, vous pouvez le transférer. Et surtout, et c'est en ça qu'on va voir que c'est en relation avec la vie, c'est que l'énergie n'a aucun intérêt pour nous parce qu'il y a un théorème de la thermodynamique qui nous dit qu'elle se conserve. Est-ce que vous pensez qu'une cellule se conserve? Bien sûr que non. Une cellule, elle crée. Or, quelle est la caractéristique de l'entropie? C'est que justement, on peut la créer. On a des tas de moyens de la créer. Vous pouvez frotter, broyer, chauffer, faire de la chimie, du métabolisme. Si elle vous gêne, vous pouvez l'arrêter. On a ce qu'on appelle des parois adiabatiques. Donc ça se comporte exactement comme un fluide que vous pouvez manipuler. Donc c'est très difficile à définir, mais par contre c'est facile à comprendre. Vous avez cette chose-là, et qu'est-ce qui se passe si vous absorbez de l'entropie? Eh bien la règle, elle est très simple. Si vous absorbez de l'entropie, vous perdez de la structure. Tout système qui est structuré, qui absorbe de l'entropie, se déstructure. Donc si vous voyez un système qui, lui, se structure, ça veut dire qu'il est en train de, non pas absorber de l'entropie, mais d'en rejeter. Et c'est ça la clé de la vie. C'est créer beaucoup d'entropie pour la rejeter au dehors. Si vous savez faire ça, bien vous serez vivant. Alors ça a d'autres conséquences. Si vous absorbez l'entropie, ça chauffe. Vous changez de forme ou de volume. Vous vous dispersez. Donc, retenez que l'entropie, c'est quelque chose qui se crée et qui peut amener de la structure ou au contraire déstructurer. Comme on est des scientifiques, on aime bien mesurer. On peut mesurer l'entropie comme on mesure un courant électrique, comme on mesure une énergie. Vous prenez un calorimètre, ça c'est une source d'entropie, de la glace, et vous mesurez le volume de glace fondue. Il est directement proportionnel à la quantité d'entropie produite. Donc c'est quelque chose qui se mesure très précisément et il n'y a aucune raison de l'avoir comme quelque chose d'ésotérique qui est réservé à quelques physiciens à barbe blanche. Ici, une chose plus intéressante, il y a aussi de l'entropie dans le rayonnement. C'est-à-dire que quand vous regardez le soleil qui vous éclaire avec de la lumière visible, vous voyez, il a peu d'infrarouge. Lorsqu'il éclaire la Terre et que la Terre fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire qu'elle vit, eh bien, elle va évacuer un énorme flux d'entropie sous forme de rayonnement infrarouge. Et c'est là où se trouve la clé. C'est est-ce que vous êtes capable de voir l'infrarouge? Non. Et donc, vous, ce que vous verrez sur la Terre, c'est une augmentation d'ordre. Parce qu'il y a un flux énorme d'infrarouge qui est du désordre qui va vers l'espace. Et c'est dans ce flux que vous êtes capable d'éjecter vers l'espace interstellaire que se résulte la raison pour laquelle un système vivant peut se structurer.
Donc regardez maintenant comment ça se passe. Ça, c'est la spirale de l'évolution. Quand vous la voyez comme ça, que vous ne mettez pas ce qui est ici et là, qu'est-ce que vous avez l'impression ? Eh bien que l'entropie diminue, puisqu'on va toujours vers plus de complexité. Mais maintenant, quand vous rajoutez toute l'émission infrarouge qui est concomitante à cette complexification, vous voyez qu'il y a en fait beaucoup d'entropie qui est partie dans l'univers. Une autre chose pour s'intéresser à l'entropie, c'est que c'est quelque chose qui est en relation avec la notion d'information. Je ne peux pas trop insister là-dessus, mais on va simplement dire que les deux choses sont synonymes. Avoir beaucoup d'entropie, c'est avoir beaucoup d'informations. Avoir peu d'entropie, c'est avoir peu d'informations. On le sait parce que, en théorie de l'information et en thermodynamique, vous voyez, c'est exactement la même formule qui permet de calculer soit la quantité d'information, soit la quantité d'entropie. Donc ça va vous donner une deuxième règle qui peut être intéressante pour vous. C'est que si vous accumulez de l'information, ben vous vous déstructurez. Donc il faut aussi savoir manipuler l'information avec précaution. Voilà, j'en ai terminé avec les considérations théoriques. Maintenant, je vais vous expliquer comment on peut mettre en œuvre les concepts de l'entropie. Donc j'ai pris évidemment l'exemple de la biodiversité telle qu'on peut la trouver dans un sol, dans un écosystème. Micro-organismes, microfaune, mésofaune, macrofaune, mégafaune. Et je vous ai mis ici l'équation de la vie. Voilà. dS sur dT, c'est je dois produire de l'entropie, je ne peux pas la faire diminuer, ça c'est le second principe. Mais par contre, vous voyez que dans ce second principe, je dois toujours faire augmenter l'entropie, j'ai quand même des marges de manœuvre. Je peux libérer de la chaleur, je peux manger, faire disparaître des aliments, je peux créer de la biomasse, je peux générer des déchets. Et c'est justement dans toute cette façon de manipuler l'entropie que tout ce que vous devez faire, c'est qu'à l'arrivée, ça doit être positif. Mais rien ne vous limite dans la valeur relative de chacun de ces termes. Et Dieu sait si un sol, il est capable de jouer avec ça. Alors, je vais prendre un exemple. Je m'excuse pour les agriculteurs, mon sol est très simple. Il est fait de myriapodes, de lombriques, de cloportes, de limaces, de larves, d'araignées et de fourmis. C'est ce que je vois. Je prends un morceau de mon sol et je fais ça. Et puis j'ai ici quatre sols. Celui-là, il a cinq espèces, celui-là il y en a deux, celui-là il y en a quatre, celui-là il y en a cinq. Les couleurs vous donnent les codes. Et la question que je me pose, c'est quel est le sol qui a le plus d'entropie ? Ou si vous préférez, qui a le plus d'informations ? Alors, si vous êtes un petit peu habitué, vous allez tout de suite voir que celui-là, c'est une catastrophe. Parce qu'il n'y a que deux espèces, et on sait qu'un sol qui est vivant, c'est forcément qu'il y a beaucoup d'espèces. Mais ce qu'on veut ici, c'est parce que là, vous pouvez raisonner, parce que vous avez une dizaine de spécimens de cette espèce. Qu'est-ce qui se passerait si j'avais un sol avec 200 espèces et des milliers de spécimens par espèce? Je ne saurais plus très bien quoi faire. Eh bien, c'est là où l'entropie arrive à notre secours. Vous l'avez ici sous la forme de ce qu'on appelle le nombre de Hill ou de son logarithme népérien qu'on appelle les entropies de Rényi. Ce sont des chiffres qui sont très faciles à calculer puisque, vous voyez, vous devez juste prendre la probabilité d'observer une espèce, vous l'élevez à un ordre Q et vous faites cette opération mathématique et vous obtenez ce qu'on appelle une mesure de la diversité. C'est un nombre qui vous dira quelle est votre diversité. Alors ici, par exemple, si vous faites Q égale 0, ça va donner ce qu'on appelle la richesse, c'est tout simplement le nombre d'espèces. Donc, ces deux sols ici sont identiques au point de vue diversité. Celui-là intermédiaire, le sol numéro 3, est le moins divers, c'est le numéro 2. Pas besoin de faire le calcul pour arriver à cette conclusion. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on peut sépartager le 1 et le 4 ? Alors la réponse est oui. Et ça s'appelle un profil de diversité. Vous prenez la formule, vous l'appliquez pour plusieurs valeurs de Q, et vous tracez ces courbes.
Ça, c'est le nombre de il pour une valeur de Q donnée en fonction de Q, 0, 1, 2, et on peut même aller jusqu'à l'infini. Et vous voyez, maintenant, ça se lit tout seul. Qu'est-ce que vous voyez? Quel est le meilleur sol? C'est celui qui est le plus haut, c'est le jaune. Donc c'est le sol numéro 4. Le sol numéro 1 est bien ici. Par contre, là, il est moins bien. Le sol numéro 3 est moins bien ici, mais il devient meilleur ici. Et évidemment, le sol numéro 2, il est atroce. Ça se voit tout de suite. Donc vous voyez, vous pouvez classifier vos sols. En termes de biodiversité, c'est très facile. Et la seule chose que je me suis dit quand j'ai préparé ça, mais c'est pourquoi ils ne le font pas. On peut même faire autre chose. On peut faire des indices d'équitabilité, c'est-à-dire parmi les espèces, est-ce qu'elles sont réparties de façon équitable ou est-ce qu'il y en a une qui est plus dominante que l'autre. On sait bien que la biodiversité, elle est valable quand les espèces sont équitables. S'il y en a une qui prédomine sur les autres, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc, on a ces indices qui nous permettent aussi, une fois qu'on a calculé les entropies de Reigny, on a ces indices qui nous permettent de classer les sols suivant l'équitabilité. Donc là, on voit que le sol le plus équitable, c'est aussi le numéro 4. Ensuite, on a le sol numéro 1, le sol numéro 3, et toujours pareil, le petit dernier, le sol numéro 2, qui n'est pas équitable du tout. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous faites plusieurs échantillons de votre sol pour savoir s'il est homogène. En effet, vous pouvez avoir un sol qui, à un endroit, a une certaine biodiversité, à un autre, n'en a pas. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous définissez des régions, qu'on va appeler ici, on les retrouve, mais je vais aussi calculer la diversité pour le sol total, c'est-à-dire quand je somme tous les échantillons. Et à ce moment-là, je peux avoir un indice de similarité qui vaut ici de 48%, c'est-à-dire que ces sols ne sont pas tous identiques. Il y a vraiment des différences entre ces sols. On peut aussi les comparer entre eux. On a des indices, ce sont donc les similarités de paires. Donc on voit ici que le sol 1 est très identique au sol numéro 4. 3 et 4 sont aussi assez similaires. 1 et 3 sont similaires ici, un peu moins vers là. Et évidemment, c'est quand il y a le sol numéro 2 qu'on a des indices de similarité les plus différents. Donc tout ça, on peut le faire. Hein. Il suffit simplement d'avoir des relevés de biodiversité et vous pouvez classifier vos sols. Alors vous comprenez que peut-être que si vous ne le faites pas, c'est parce que si vous prenez un sol en biodynamie et que vous comparez à un sol en agriculture chimique et que vous faites ces indices, si jamais le sol chimique sort au-dessus du sol de biodynamie, aïe aïe aïe. Mais il faudrait le faire parce que quand on a de la biodiversité, eh bien, on a de la richesse. Alors, notre problème, c'est quoi? Eh bien, là, je suis allé sortir le rapport WWF de la planète vivante de 2018. Vous voyez ce qui se passe? On est en train de chuter en biodiversité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a moins d'entropie qui peut être dissipée, parce que pour pouvoir dissiper l'entropie, c'est ce qui vous permet de vivre, il vous faut beaucoup d'espèces. Plus il y a d'espèces, plus vous êtes capable de dissiper cette entropie. Et pourquoi c'est important de dissiper l'entropie? Parce que si vous la gardez, comme je vous ai expliqué, vous allez vous déstructurer. Et en fait, c'est ce qui est en train d'arriver à notre planète. Elle est en train de se déstructurer. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive plus à évacuer son entropie sous forme d'infrarouge. Elle est bloquée. On sait très bien la raison de ce blocage. C'est les gaz à effet de serre, hein, qui réfléchissent l'infrarouge vers le sol au lieu de l'évacuer vers l'espace. Et la conséquence, c'est qu'on est en train de manger notre entropie au lieu de l'évacuer. Et vous mangez votre entropie, ne soyez pas surpris si la planète se désagrège. Donc la solution, elle est simple. Il faudrait commencer par relever l'indice pour pouvoir être sûr de réévacuer le maximum d'entropie vers l'espace qui est le seul endroit où elle doit aller. Là, je vais pousser un petit coup de gueule. Je peux ? Ah ! Non,
j'en ai sincèrement marre qu'on me parle tout le temps à la radio, à la télé, de ces gens qui œuvrent pour la planète. Ah, je fais ça pour la planète. Ah, je fais ça pour la planète. Mais arrêtez. La planète, elle se fout de vous. Mais complètement. Si vous faites quelque chose, c'est pas pour la planète, c'est pour vous. Si vous ne me croyez pas, ben regardez. Ça, c'est ce qu'a vécu la planète depuis qu'elle existe. Regardez le nombre d'extinctions de masse qu'il y a eu. Est-ce que la planète est morte ? Non, elle s'en est toujours sortie. Par contre, c'est vrai que les pauvres espèces qui ont vécu à ces différentes étapes, elles ont souffert. Elles ont disparu. Donc, nous sommes en train de disparaître. Où est le problème ? La Terre sera capable de régénérer une nouvelle espèce. Ce ne sera plus nous, mais il y aura une autre espèce qui sera peut-être plus intelligente. Alors, il n'est pas trop tard. Simplement, je vais vous prendre un autre exemple pour vous montrer en quoi l'entropie, c'est important. Regardez autour de vous le pays qu'est la France, ou comme nous avons des hôtes américains, des États-Unis, tous les pays dits civilisés. On est caractérisé par de l'ordre, de la structure. Les choses fonctionnent, les trains arrivent à l'heure, on peut prévoir, faire des prédictions. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi c'est comme ça ? Eh bien, je vais vous donner la réponse. C'est parce que nous créons un énorme flux d'entropie pour pouvoir générer toute cette complexité qui caractérise notre civilisation dite européenne. Et ce flux d'entropie que nous générons, nous l'évacuons. Parce que si nous n'êtes pas capables de l'évacuer, on va se déstructurer. Donc on l'évacue. On l'évacue où, à votre avis ? Normalement, comme je vous ai expliqué, ça devrait partir dans l'infrarouge vers l'espace. Mais est-ce que c'est ce qu'on fait avec nos sociétés ? Non, on envoie notre flux d'entropie dans les pays en voie de développement. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces pays-là ? Absence de structure, chaos. Plus nous allons dans la direction de l'ordre, plus eux iront vers la déstructuration parce qu'ils reçoivent notre entropie. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait conscience. L'entropie doit être évacuée vers l'espace. Elle ne doit pas être évacuée vers d'autres pays. Mais ça, c'est des décisions politiques, économiques. Et là, c'est là où la science de l'entropie peut nous aider un petit peu. Et j'espère vous avoir convaincu de l'importance de regarder ce concept d'un peu plus près. Je vous remercie. Grand merci, Marc-Henri. Finalement, 20 minutes, vous nous avez fait passer quelques petits messages. J'ai pas pu rentrer dans les détails. Hein. Oui, mais finalement, en tant que journaliste, souvent, quand je sollicite des intervenants, je dis oui, mais 20 minutes, vous comprenez, c'est trop court. Mais là, la pointe du message, avec le modeste niveau intellectuel qui est le mien, moi, ça me suffit, quoi. Par contre, je pense que je vais repartir avec quelques idées. Les messages vont passer. Vous allez voir l'entropie partout. On va s'en souvenir. Il vaut aller peut-être mieux que vous alliez moins dans les détails, mais que vous poussiez votre cri, quoi, votre cri de gueule. Waouh ! Merci. Ben voilà. Oui, je voudrais juste rajouter, tout dans la nature est entropie. L'énergie n'est qu'un moyen. Donc, arrêtez de faire des bilans énergétiques, de regarder comment l'énergie fait ceci, comment l'énergie fait cela. L'énergie, elle suit toujours le flux d'entropie. Donc, se préoccuper en premier lieu de l'entropie, et ensuite, il faut de l'énergie pour faire bouger les choses, ça, c'est pas une nouveauté. La dualité matière-énergie, vous ne la... Ben si, on l'a traité un petit peu quand je vous ai dit qu'il y a de l'entropie dans le rayonnement. Mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est que ce rayonnement infrarouge, on ne le voit pas, et c'est lui qui nous libère de toute cette entropie qui autrement nous déstructurait.
Donc il y a une raison pour avoir matière et rayonnement. Bon, concrètement, on fait quoi parce que hey. Comment ça, on fait quoi? Cette bulle de CO2 là, on fait quoi? Eh ben, on change nos modes d'habitude de vie. On fait des sols vivants pour fixer du carbone, quoi. Oui. Par exemple. Je pense que les agriculteurs sont les premiers en ligne pour pouvoir effectivement faire qu'on ait moins de CO2. Il suffit simplement d'augmenter la biodiversité et on aura des solutions qui se présenteront automatiquement. Mais c'est vrai que l'agriculture détient la clé. Hein. Plus que... Eh bien, il n'y a plus qu'à. Hein. Quand on vous écoute, c'est d'une simplicité. Mais bon, par contre, quand on a passé quelques jours dans cette enceinte à phosphorer, à brasser toutes les expériences, on se dit quand même que c'est peut-être pas si simple, quoi. Non ? Ben, pour être honnête, il m'a fallu 40 ans pour comprendre ce concept. Bon, alors, rassuré, je ne comprendrai pas dans cette vie-là. Les gens ont vraiment dit n'importe quoi et tout. C'est, l'entropie, c'est vraiment le chaos, hein, quand vous lisez des textes sur l'entropie. Donc, il m'a fallu quand même une bonne quarantaine d'années pour débroussailler un petit peu tout ça. Alors, bon, maintenant, c'est comme je pense avoir un petit peu compris, ben, je le partage avec vous.